Niais. Nous allons libérer Paris. La deuxième blindée française et la quatrième d'infanterie américaine arrivent à l'aube. Cela veut dire qu'on va bouger ce soir. Ça fait une semaine qu'on a démoli ce train. On est au beau milieu de Paris et on travaille avec la résistance. Rousseau et Crollet veulent saboter les structures de l'occupant. Ce qui veut dire frapper l'ennemi en plein cœur. Grâce aux documents qu'on a trouvés dans le train, Rousseau et moi, nous allons nous faire passer pour des nazis pour infiltrer la garnison. Par ici, messieurs. Cette caserne est dirigée par le SS und Polizeiführer Heinrich. Il n'a pas pu me capturer. Il a pris mes parents, puis mon mari, et enfin, mon fils. Cette nuit, l'ensemble de nos pertes, l'ensemble de nos combats, aura un sens. Cette nuit, nous reprenons la ville. La caserne. Notre contact sur place nous fournira les explosifs. Quand nous aurons fait sauter le portail, ce sera à vous de jouer. Nous comptons sur vous. Ok, les gars. On se prépare. Les Boches vont pas se laisser faire comme ça. Si on peut survivre à Pearson, je pense qu'on peut tout affronter. J'ai combattu à ses côtés à Catherine. C'est un exemple de courage. C'est bientôt fini, mes amis. Mais d'abord, il faut prendre des risques. C'est parti. Qu'un contrôle. Enfoiré nazi. Ok, on s'en va, on s'en va. Ce cauchemar sera bientôt fini. Si on vous arrête, il faut absolument que votre histoire tienne la route. Revoyons ça encore une fois. Vous êtes Gerda Schneider, attachée militaire. Herr Spiegel, des renseignements, vous envoie pour organiser l'évacuation de Heinrich vers Berlin. Prenez bien le temps d'étudier le dossier. C'est notre seule chance. Recruter notre taupe nous a coûté très cher. Vous devez le retrouver et échanger votre mallette avec la sienne. Normalement, il aura les explosifs pour faire sauter les portes. Vous vous en faites trop, Major. Oui, mais c'est mon boulot. Je vous retrouve devant la garnison une fois l'opération terminée. Qui vous envoie ? Herr Spiegel. Bien. Quoi qu'il arrive, quand vous aurez fait l'échange, vous devez absolument garder la mallette en permanence avec vous. Après ce que j'ai vécu, je suis bien déterminée à aller jusqu'au bout. Guten Abend. Papiere bitte. Danke sehr. Fahren Sie weiter. Die Papiere bitte. Und bitte reichen Sie uns Ihre Tasche. Bitte sehr. Ich habe Sie hier noch nie gesehen. Was ist der Grund Ihres Besuchs? Ich habe Reisedokumente für Polizeiführer Heinrich. Ich wurde darüber nicht informiert. Aber Ihre Papiere scheinen in Ordnung zu sein. Sie können weiter, Fräulein Schneider. N'oubliez pas, votre contact s'appelle Fischer. Il porte un uniforme d'officier gris. Quel est le mot de passe ? Verlaine. Bonne chance.
Wir kommen gerade aus Berlin. Können Sie mir ein gutes Hotel empfehlen? Tut mir leid, Fräulein. Der Zutritt zu diesem Treppenhaus ist verboten. Sie können die Hintertreppe. Sie haben das falsch ausgefüllt. Das muss ja neu sein. Wir waren letzte Nacht auf Patrouille und sind nicht zurückgekommen. Ganze Woche nicht mehr in meinem Bett geschlafen. Ich weiß. Entschuldigen Sie bitte die Störung, mein Herr. Wie kann ich Ihnen helfen? Psst, das würde ich nicht. Haben Sie die Werke Valens gelesen? Ja, das Herbstlied mag ich besonders gerne. Es ist auch einer meiner Lieblingsgedichte. Bitte hier entlang, Fräulein. Vous êtes prêt à faire l'échange? Non, il est trop tôt. Et je dois partir en réunion. Les explosifs seront dans une mallette comme la vôtre. Nous ferons l'échange en salle d'opération. Passez devant. Non, il me surveille. Vous devez vous infiltrer dans le bureau d'Heinrich au troisième étage. De là, vous pourrez traverser l'aile nord et éviter les contrôles. On ne doit pas nous voir ensemble. Partez, rendez-vous en salle d'opération. Guten Abend. Kann ich Ihnen behilflich sein, Fräulein? Ja, ich habe Reisedokumente für Herrn Heinrich. Ist er da? Nein, er ist momentan in einer wichtigen Besprechung. Sie können gerne in seinem Büro warten. Hat er einen Stellvertreter benannt? Nein, hat er nicht. Ich habe Sie noch nie gesehen. Darf ich fragen, was Sie an meinem Fenster zu suchen haben? Verzeihung, Herr Kommandant. Ich wollte nur etwas frische Luft schnappen. Ich bin Gerda Schneider. Ich komme aus Berlin, um Ihre Reisepapiere zu bringen.
Fräulein Schneider? Ich habe von Ihrem Auslandsstudium gehört. Es war in Cambridge, oder? Ja, das ist richtig. Wenn Sie mögen, kann ich Ihnen Ihre Reisepapiere zeigen. Dazu kommen wir noch. Vielen Dank. Danken Sie mir noch nicht, Fräulein Schneider. Now, if you will indulge me, perhaps we can converse in English. For as you know, I'm sure, practice makes perfect. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Have a seat. So, Herr Gruber sent you to arrange for my departure. I am flattered. It was Herr Commander Spiegel. Sehr gut. Very good. One cannot be too careful these days. You look so serious. Let us drink. To my return to the Fatherland. The French deserve each other. But my God, I will miss the cuisine. Take the ortolan, that tiny, delicate songbird. Its eyes poked out so that it can gorge. And then it's drowned in cognac. It's ingenious. I'm not sure what I will miss more. Savoring the sweet flesh. Or watching it thrash to death. But there is one thing of which I am certain. Watching your son flail as he drowned under my boot gave me the greatest pleasure of all. Ça, c'est pour mes amis. Ça, c'est pour mon fils. C'est pour moi. Vive la résistance. Die gewünschten Berichte aus Berlin sind gerade gekommen. Danke. Ich werde sie mir schnellstmöglich ansehen. David! In Ordnung. Schnapp den Spion! Was hat das zu bedeuten? Es fehlt Sprengstoff aus dem Munitionslager. Was soll die Aufregung? Sie wurden zuletzt in der Nähe gesehen. Sondern dieser Bereich ist gesperrt. Gehen Sie. Egal. Wer ist es? Zeigen Sie alle Ihre Papiere vor. Ich glaube, jemand wurde umgebracht. Sind wir bereit für den Überfall heute Nacht? Ja, wir rücken in der nächsten Stunde aus. Der französische Widerstand hat seine nächtlichen Überfälle verstärkt. Halt! Geben Sie mir sofort Ihre Papiere! Ist das Blut an Ihrem Ärmel? Ich fürchte, das ist Tinte. Heute ist einer dieser Tage. Legen Sie Ihre Aktentasche zur Inspektion auf den Tisch.
Die Tasche wurde schon überprüft. Fräulein, Ihre Tasche! Sofort! Vous ne me décevez jamais. On a un problème. Ils sont tous en état d'alerte. Ils ont capturé notre contact. Vous avez fait l'échange. Oui, j'ai les explosifs. Alors, on change rien. On se retrouve dans la cour, une fois les charges posées. Je dois me faire discrète. Merci, je serai là si vous avez des ennuis.
Maintenant, c'est à vous et vos hommes de jouer, Daniels. Il y a un truc qui cloche. On devrait y aller. Tirez pas. Soyez prêts. C'est bon, voilà le signal. Faites dans la peau. Lancez, les gars. Ils ne peuvent pas tenir plus longtemps sans nous. On perd vite. Les balles ne vont pas se déterrer. Oh, shit!
Michel, envoyez! Chef, je te couvre, soldat. Cette trousse de secours! Contre-attaquer, il faut établir nos défenses. Suivez-moi. Encore des Boches à l'intérieur, on doit les éliminer. Bewegung, schnell, schnell! Tenez, prenez ça. Rousseau, lancez un fumigène. Nettoyez l'entrée et bouclez le bâtiment. Leur renfort arrive bientôt. Stop, Mark! Très bien, faites-le. Elle kann nicht sehen!
Allez sécuriser le premier étage. On va faire le ménage ici. C'est bon. Il faut préparer les défenses. Les Allemands seront bientôt là. On les verra arriver d'ici. S'ils s'approchent, on balance des molotovs. La ville tout entière s'est soulevée. On y est presque. Ils balancent des fumigènes dans la rue. Et voilà! Daniel, vise le chauffeur! Pour tous les autres, attends qu'ils soient à portée! Les mitrailleuses! Faut que tu les éloignes du pont!
Très bon travail, les gars. Très bon travail. On l'a fait. Les forces de De Gaulle entrent dans la ville. On dirait bien qu'on aura du champagne et du caviar, finalement. Eh, hey Daniel, tu penses qu'on va trouver une jolie jeune fille qui rêve d'un potiaï? Désolé, l'ami. C'était seulement pour te motiver. C'est maintenant qu'il me le dit. La ville lumière. Voilà une bonne raison de faire la fête, hein, Crowley? On peut plus reculer. La France a repris Paris. C'est pas encore fini. La guerre continue. Oh, allez, Pearson, laissez-les s'amuser. Ah, ça, c'est l'ordre de Turner. Je n'oublierai jamais la prise de la caserne et la libération de Paris. Je crois même avoir vu personne sourire. Nous allons profiter de cet avantage pour avancer jusqu'au Rhin.